Non mais là il est trop fort, c'est qui il tu m'as... Il est trop fort, fais du free play contre lui s'il te plaît. J'ai vraiment pas free play contre lui parce que j'ai vraiment pas envie de lui donner des conseils. Tel mec horrible. Oh il me faisait des trucs drag down et tout avec un Joy-Con. Il t'a drag down avec un Joy-Con, voilà c'est pas vrai. Je suis sûr que c'est pas vrai, il t'a pas drag down avec un Joy-Con. Il m'a mis un combo downthrow berlock sur des plateformes. Voilà c'est un truc de fou. Il est trop chaud. Mais comment il a fait? Mais je sais pas, en plus c'est même pas comme s'il jouait avec deux Joy-Con. Il joue avec un Joy-Con. Je peux jouer avec deux Joy-Con. Je suis sûr son Joy-Con il a du drift et il arrive à jouer avec. Voilà c'est vrai, voilà c'est vrai. Il fait des F-tilt anglais en tout frame avec un Joy-Con. Ah ouais, non. Non, je jure. Mais par contre, en vrai de vrai, moi ce qui. N'oublions pas que Lyon, grâce à Altec, on était quand même la ville des Joy-Con. On est la ville historique des Joy-Con. Je serais trop fier de voir ce mec. Altec aurait pleuré devant ce poulet. Ou comme on dit là-bas, chicken puletto. C'était un peu raciste, non? Non, évidemment, j'embrasse tout le monde, j'embrasse Complexe que j'ai affronté en braquette hier. On vous embrasse tous, mesdames et messieurs, mes asiatiques sûrs. RT sur Twitter pour cancel Jarod. Alors, vraiment, vous pouvez me cancel, alors vraiment, vous avez pas besoin de ça parce qu'il y a vraiment des trucs trois fois pire. Hein. Tu prends le téléphone de Simon une soirée, tu vas sur mon privé, t'inquiète pas que je disparais de la scène aussi vite que t'as disparu de ce braquette en m'affrontant. C'est vrai que mes défaites étaient rudes. Ah bon là aujourd'hui, t'as perdu contre Amex ou Joko et t'as perdu contre Arrobas Libéré Wallet, tu réduis bas. Mais Tana, t'as perdu contre le mec sous Joko. Ça c'est très drôle. Tu sais quoi ça m'a fait penser, ce mec quand il m'a battu, j'avais l'impression c'est d'être l'enfant qui a vu un fantôme et que personne croit. Ah ouais, je vois. Tout le monde se foutait de ma gueule et au final tout le monde sait qu'il est trop fort. Mais oui gros, bah Crix a été choqué. Ah non mais. Mesdames et messieurs, si jamais vous êtes une fille et que vous êtes dans le tournoi, Warren part aux toilettes, donc n'hésitez pas. D'accord. Alors qu'on a toujours pas commencé de casque 7 et pourtant aucune stock n'a disparu. Ouais. Très très bonne punish ici de la part d'Onuru qui a décidé de grab au lieu d'up smash, mais voilà. Il va enfin réussir à up smash. Alors on met Sadbé sur la plateforme, on récupère tranquillement, petit F-tilt dans le shield, deuxième F-tilt dans le shield, et on met les bons aérios du côté de Plapes prendre 2. Oh le nerf, incroyable. On va voir les reflex. Oh non, le smash. Cool dans le match-up. Hein. Spot dodge et up smash, classique. La spot dodge cancel qu'on déteste tant sur Ultimate. Ah oui. Ouais, bah faut regarder là en fait. Bah oui, excuse-moi, gros. Je t'ai détruit ton casque. Alors là, on voit le gameplay un peu de. Oh, c'est trop chiant. Oh, c'est trop chiant. Blaster, reflect. Ça va être ça tout le long. Hein. Ça va être ça. Il a lâché le micro carrément. Il a lâché le micro carrément. Je dois animer un stream tout seul. D'accord. Ok, tu n'animes pas avec moi. Vas-y, bah, je vais essayer de parler un peu du set. On a quoi? On a du Falco, Vladez. Du Falco, Vladez, n'importe quoi. Du Falco Toon Link. Je sais pas si le set a déjà eu lieu. Du Falco, Vladez. Il ne joue pas Toon Link. C'est Toon Link qui joue Vladez, c'est ça qu'il faut savoir. J'avoue que je connais pas du tout le match-up, je sais même pas si les deux se sont déjà affrontés. Tout ce que je sais, c'est que c'est de la winner side de la SN bagarre. Simon, tu veux pas venir cast avec moi? Non. T'es sérieux? Bah, ils vont me laisser en galère, ça y est, ça va me banner. Bah, je pense que oui, hein. Honnêtement, ça paraît. Falco, je pense que c'est un perso qui a les outils pour jouer contre les Link, pas que contre Toon Link. C'est ça, c'est qu'avec ses blasters et ses reflex, ça va être très facile pour lui de gagner du siege control. Hey! Petite backer, on est un peu tôt, F-tilt upper, malgré le plafond assez bas de PS2. Wouah, F-tilt. La DI était un peu sus, mais je pense qu'il s'attendait pas à se faire toucher par le F-tilt. J'ai un petit doute sur le fait que ça ait tout frame, vu la position dans laquelle était Falco, je pense que c'était même pas le cas. F-tilt nerf. Ah, je vois ça. Ce qu'il va le chercher offstage, le taser qui a été cancel, on a plus de saut côté Vladez, et on va remonter quand même. Oh putain, offstage ça fait peur, Vladez qui garde ses petites bombes peut-être pour avoir des mix-up, je suppose qu'elle peut exploser même si elle met un peu de temps, peut-être la lancer contre le stage pour gagner un peu de hauteur. Et à mine de rien, on est déjà à la dernière stock du côté Vladez, on va essayer de trouver une petite phase ici. Onuru qui est corner, voilà. Dès qu'il est corner, il balance un petit reflect, il a vraiment très peu de risques à faire ça. Hein. Attache, attaque, up tilt. Ok, ça peut tuer. Le plafond? Non, c'est bon, très très bonne DI malgré la rage et le plafond assez bas de PS2. Dash attack, ça space sur le shield, ça c'est extrêmement fort quand on connaît pas. Il y a beaucoup de coups de Toon Link, la frame data est assez généreuse hein, pour le coup. On envoie la bombe comme ça, c'est intelligent. C'est intelligent, on voit que Vladez il a l'habitude. Oh, ce taser! Oh là là, le lock avec le taser! Incroyable, enfin avec le taser, avec le zer. Incroyable phase de Vladez. On le voyait perdre pourtant hein, sur cette dernière stock, il avait vraiment pas mal de retard. On a réussi à se retrouver. En fait, finalement. J'accepte de caster avec. T'acceptes de caster avec moi, tu vois que je suis dans ma galère là. Tu vois que je suis en train de galérer. On n'a pas réussi à trouver de phase là du côté Onuru offstage. Ça peut être une piste d'amélioration, je pense. On retourne sur PS2 évidemment. Or, il manque un petit quelque chose pour prendre la game en soi. Ouais, moi je pense que c'est les phases offstage. On n'a pas réussi à trouver Vladez qui avait des très bons mix-up. Mais en même temps, avec les bombes et le taser, ça m'étonne pas trop que ce soit pas non plus garanti d'aller le chercher. Tu vois, je pense que c'est assez. C'est pas gratuit quoi. Tu vois, à la fois qu'elle était en dessous, je pense qu'il aurait pu. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, bien vu. C'est vrai. On va voir une deuxième game. On va voir si Vladez va galérer autant qu'au début de la première game. Et pour l'instant, ça se touche, mais ça convertit pas.
Excellent. Oh là 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 là, on va chercher super deep et on va pas remonter. Ah, on a jump dans le side beast. Eh oui, tu casses au mauvais endroit. Je fais la morale alors. T'as que... fait pareil. Oh là 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 là. Et oui, en effet, là on se retrouve déjà avec une stock en moins côté Vladez alors qu'on avait, on semblait avoir le contrôle de cette game. Et contre Falco, quand t'es en retard, t'es pas content. Hein. C'est vrai, effectivement. Là, contre Falco, en plus tu prends la sauce à chaque coup qui part. Quoi. Là, on les va avoir font mal. Peut-être une petite edge guard là cette fois-ci. Merde, ouais, je crois qu'on a le jump. Hein. Voilà, on a le spike. Oh là là, le dodo qui a touché directement la tête. La game, elle est une très belle adaptation de Nuro. Ouais. Hein. Ah, clairement, là, on s'est retrouvé. Là, on a réussi à trouver ses phases. Vladez, il prend la sauce. Le moindre de ses coups est puni fois 1000. Mm. C'est. Voilà. Onyuru, il nous propose une belle game. Exactement. Là, c'est une game du côté Vladez. Je sais pas si on va tenter le tout pour le tout, essayer de la gagner à tout prix, ou est-ce qu'on va essayer plutôt de prendre des infos. Je pense que prendre des infos serait plus intéressant parce que déjà 56%, 66, 82, on est off stage et ça peut déjà être la fin de la game. Non, c'est bon, avec le teaser, on va juste trouver. Il veut faire le freestyler, on l'a vu Onyuru. Malheureusement, tu te prends un grab des backs row. Ah, la backs row, il était pas prêt à DI, je crois. La DI, ouais, si, ça ouais. Va, moi, c'est tout nul quand même. Ouais, ouais, non, mais ouais, elle était forte, mais à 90, et on va trouver le catch sur ce jump, et là c'est compliqué. Hein. Oh, là, on a plus rien pour remonter. Oh, le full tool, est-ce que ça va sortir? Non, ça sortira jamais. Bien sûr, il est à 20%. S'il se fait sortir à 20%, je pense qu'il peut DQ. Ok, ok. Ok, et là, on peut peut-être se prendre à rêver. Hein. Falco, c'est un perso offstage, il peut se passer des trucs aussi. Toon Link avec de la rage, ça peut tuer assez tôt avec le fer. Le F-Smash qui va être trouvé ici, double back air. C'est ce genre de phase qui peut faire plaisir avec Toon Link. C'est là où on peut trouver des choses. Ah, attention là par contre ça peut être le dernier moment de Vladez dans cette game. Attention par contre on se fait reverse du côté de Nuru, on va peut-être trouver clairement. La stock du côté Vladez. Est-ce qu'on va trouver ce reverse 3 stock carrément? Je ne pense pas malheureusement. Okay. Là on est à 140%, on phase de Deza contre Falco, c'est un peu difficile. Ah, par contre attention. Oh là, c'était incroyable, on va trouver le B directement en cette place. Est-ce que ça va tuer? Non, c'est pas encore assez tôt. Mais c'est une phase offstage qui a été trouvée. On va punir le side B qui a été fait un peu trop haut. Est-ce qu'on a le droit de ce reverse 3 stock? Ah, non, c'est ça devrait tuer ça. Ah, je pense, vu l'adaptation de la fin, pense que Vladez, durant la troisième game, va être bien plus propre. Ouais, ça va être le cas. En plus, sur cette première game, on a déjà pris un retard assez conséquent. La deuxième aussi, mais on voit qu'on est capable. C'est... va falloir se concentrer là, faut pas faire la même troisième game, va falloir un début un peu plus calme, pas aller chercher le Falco stage pour risquer de se faire game, tout ça. Tout va se jouer maintenant. Après, peut-être on a eu un petit relâchement de la part d'Onyuru, je sais pas. En tout cas, Vladez à la fin il a bien rattrapé. Faut juste. Soit Onyuru il joue très bien comme à cette deuxième game au début et il trouve cette troisième game, soit Vladez s'adapte et on va il voir. Gagne. Ouais, le début de la troisième game va être assez décisif, je pense. Là, le retard va pas être trop permis. Là pour l'instant on a les deux joueurs qui hésitent énormément sur la map. On va peut-être partir sur Holo Bastion, ok, donc qui est une map assez similaire à PS2 si je dis pas de bêtises, un plafond assez bas, des blast zones assez larges, un terrain assez grand, une disposition des plateformes un peu différentes qui peut-être vont permettre de meilleures conversions pour Falco, je sais pas trop. Meilleure conversion pour Falco, franchement. Ouais, en tout cas, peut-être avec la plateforme du milieu. En tout cas on a plus de place off stage pour venir edgeguard, parce que c'est vrai que PS2 on est très proche des blast zones, ça peut être un peu chiant à venir chercher. Là pour le coup ça va faciliter les choses. En tout cas, pour l'instant, ça commence, hein, assez even. Voilà. Mmh. On trouve la première phase d'avantage pour Falco. On sait que Falco, ça prend la sauce. Faut pas tilt de se faire prendre une sauce par Falco. Clairement. Ça arrive. Sans mal. Tu ne peux pas l'éviter. Il y a forcément un moment dans cette play. Tu vas te prendre un down tilt, tu vas te prendre un up tilt. Il y a quelque 60%, chose. 60%, ça. Oh, il a pas de saut. Hein. Il a pas de saut. Du coup, il va up super tôt. Très très bon mix-up de la part de Vladez. Nuro qui ne s'y attendait pas. Il a Rico 8. Il a up très très tôt pour espérer toucher son adversaire. S'il venait un peu trop tard. Et là, on va trouver une phase de neutral un peu plus calme. Attention, c'est de bon body deflect. Ah ouais, non, mais. Falco, c'est fou. Là, on voit. Deflect, mais qu'est-ce qu'il est fort. Paris F-Tilt. On a la tech chase, on va rien trouver derrière. Vladez qui, pour l'instant, cherche ses phases, mais ses bombes qui se font toutes reflect une par une. Et on va trouver snare pour foutre offstage. Est-ce qu'on va trouver? Pour l'instant, on a l'air d'avoir un Onyuru Game 2. Hein, un Onyuru très propre sur ses appuis. C'est ça. Oh et bon, le F-Smash, le F-Smash qui vient a touché très là-bas. Très bas. Incroyable, oh là là. Oh, c'est et là, c'est pas de chance parce que côté Vladez, en plus, on avait pas trop de choix de Rico ici. C'est assez dur de mourir comme ça. Mais il en profite de la Rico de Vladez pour venir le cueillir. On avait pas de taser, on avait rien. C'était obligé de faire ça. Ouais, il avait bien raison. On était très très bas là sans le jump. De toute façon, ça va être des cas dans lesquels il va souvent mourir. Et Vladez, là, avec les bombes, on sait pas quoi faire. Parce que entre ce laser qui t'empêche de les sortir, et même une fois que tu les as, tu vas te les faire deflect, tu vas te prendre une dizaine de pourcents. C'est vraiment un enfer. Et on va rater la conversion up tilt pair. Ça n'aura pas tué à 70%, même pas de kills. Enfin, c'est assez étonnant. Petit laser qui va être excellent pour catch le jump.
C'est bien parti. Après, faut se rappeler que Vlades, les deux premières games, ça a trouvé des phases assez tôt et le EPR qui va tuer. On va attendre le relâchement du chip. Et là, attention, excellent. On sait que s'il a la bombe dans la main, il peut mettre la phase à 52. C'est ça, pareil, c'est Vlades, hein. C'est un mec qui a des conversions, il les connaît. Tu vois, c'est un... il connaît bien son Toon Link. Ça peut partir à tout moment, on l'a vu. Donc là, on est corner. On se fait reverse. Ça fait mal. C'est tendu. Hein. C'est tendu. Par contre, attention. De pas se faire prendre la stock tout de suite Vlades parce que sinon ça va être très très compliqué. Ah de ouais monter. Non ça fait peur en plus hein. Oh double tonnerre, est-ce qu'on va trouver quelque chose le up smash ça sort pas malheureusement. Ça va pas tuer encore. La bombe excellent le on tombe le up smash ça aurait pu tuer ça. Ça aurait clairement pu tuer. Putain les sauts de Falco ça surprend trop comme ça en désaf. Faut vraiment faire attention. Après comme dit Toon Link avec de la rage ça peut faire peur. On a vu que Vlades avait un factor comeback assez fort. Bah là il peut sortir carrément avant Nuru à ces pourcentages là. C'est ça. Par contre attention hein. En plus on est Nuru, il commence à jouer neutral camper gros blaster. C'est ça, il veut il pas bien prendre raison. De risque parce que là il sait que prochain coup ça tue. Il veut juste attendre les terreurs. Oh oui, excellent, et on va pas attaquer ça. Oh, incroyable. Ça envoie en tech quand il stop l'edge. Alors ça c'est vraiment. Alors là il vient de retourner toute la game. Down tilt. 1-1, dernière stock, celui qui gagne la stock a tout gagné. Oh là là. Là ça va être assez décisif. Donc au début du pourcent, je pense qu'on va avoir une petite phase d'Onyoru. Ça m'étonnerait pas, de toute façon c'est Falco, le Toon Link qui va avoir du mal à gagner en avec ce reflect en fait, il va avoir du mal à gagner le neutral et ses interactions. Bah, attention, le Toon Link ça peut vite mettre des gros pourcentages avec la bonne phase, surtout Vlades. Bah, regarde, il est propre là-dessus, tu vois. Mm. Il sait ce qu'il a à faire, malheureusement. Ici, la dash attaque un peu trop qui vient donner un grab à Onyoru. Mm. On se fait souvent reflex et projo, c'est un petit peu chiant. On voit c'est un peu chiant, mais il en démord pas. Je sais pas si en même temps, c'est pas non plus énorme. On se prend des 7% sur la bombe, c'est pas non plus trop perso, gros. Perso, j'aurais déjà craqué, j'aurais fait 10 fers d'affilée, mais enfin. Oh, nerf, on va retrouver un nerf derrière, l'air dodge qui va suffire. Et là, on est corner contre Toon Link, et ça, c'est vraiment une position que t'as pas envie d'avoir. Attention, oui, position que t'as pas envie d'avoir. En plus, on a 93, on s'est fait vachement détruire là sur cette phase d'avantage. Ah là, on va avoir des confirmes qui vont tuer, on va avoir la bombe faire, on va avoir le EPR, on va avoir un Leshra peut-être du côté de Vlades. Oh, oh attention, les jabs, ça vient sortir. On avait peut-être un grab. L'animation des chops. Ok, le B, c'est bien vu ça, le B en... Et là, c'est le moment dans le set, tu vois, mon cher Xeniz, où on va voir des joueurs qui vont sortir des cartes qui n'ont pas encore sorti dans le set. C'est là le moment à sortir la douille. Attention, est-ce qu'on va trouver le... Ouais, non, voilà, exactement, ce genre de mix-up que Vlades fait offstage. Oh, le F-Tilt qui va toucher à l'edge. Ah non, ça sort pas. On est pas encore mort. Attention, ça pourrait tuer. La bombe. Oh punaise, il est passé juste en dessous, c'est tendu. C'est vraiment tendu. Le F-Tilt encore une fois, ça tue pas. 150% le Falco, il va avoir des confirmes, c'est pas fini. Si ce F-Tilt touchait, non. Non, il a lâché le shield. Oh non. Il a lâché le shield. Oh non. Oh non, il s'est fait avoir par le B qui était un peu trop loin. Il s'est chef. Ah, c'est dommage. Oh punaise, ok, beau set, on s'est fait super peur là, du côté Vlades. Dis-toi là, là il shieldait jusqu'au bout, il avait F-Tilt, Vlades était off-stage et là...